Oui, donc désolé, mon téléphone il s'est éteint comme un con. Voilà. Donc aussi, on s'avance bien dans le jeu. Donc comme je disais, Kyogre est de type eau, donc je ne le savais pas. Merci d'avoir des notifications en pleine vidéo, j'adore. Et donc voilà, le truc, c'est que même s'il est de type eau, eh ben je m'en fous. On le garde quand même dans l'équipe et même l'agron. Voilà. Bon, par contre, quel est le fuck? Je veux passer, monsieur. Ah. Ok, d'accord. Ah. Yeah. Yeah. Bon, déjà, je préfère préparer ici, hein. Ah, là quand même on aura plusieurs choix. Donc oui. Aussi pour ceux qui ne le savent pas, le niveau du Conseil 4 et du Champion d'Arène, c'est dans les niveaux 55 à 60. Donc à part Latias et Pikachu, mais on ne gardera pas vraiment jusqu'à la fin du Let's Play ces deux Pokémon là. Hein. On les garde comme ça, comme Pokémon de secours. Comme ça, moi, c'est un Pokémon. Si nos Pokémon importants meurent, bah au moins ces deux-là peuvent nous servir à quelque chose. C'est-à-dire les soigner. Donc ils ne servent à rien dans l'équipe, bien sûr. Donc voilà. Au final, l'équipe, elle est pas telle. Elle est pas vraiment complète parce que. Voilà. Après, je sais pas. Si je fais le Tug et donc je fais une équipe avec 4 à 5 Pokémon. Et donc pas 6. J'hésite si je fais le Tug en faisant ça. Mais en même temps, je sais que si je le fais, je vais me faire éclater par le Conseil 4 pendant le live. Je le sais. C'est quand même con qu'on a besoin à chaque fois de 6 Pokémon dans les jeux Pokémon. Hein. Parce que quand même, Soleil et Lune, hein, ça aurait pu être le jeu de la Révolution. C'est-à-dire, tu n'as plus que 6 Pokémon, tu dois en avoir 8 ou 10. Eh bah putain, si tu peux avoir 8 ou 10 Pokémon dans la 8ème génération en plus, ce qui serait quand même très cool. Ah c'est bon, le jeu sort, même j'en ai plus rien à foutre, je ne fais même plus l'heure des let's play là, je fais carrément la 8ème génération en vidéo et puis voilà. Comme ça c'est réglé. C'est tout dit. Ouloulou. Oh purée. Eh, quand même on peut les feinter facilement dans ce jeu. Hein. En vrai on peut les feinter tellement facilement. Waouh. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, et sinon aussi, j'espère que l'épisode d'hier sur Banjo-Kazooie vous a plu parce que, pour vous dire, j'ai quand même un peu galéré. Hein. De toute façon, je vous l'ai sûrement dit dans la vidéo, je m'en rappelle plus. Mais voilà, on s'avance quand même très très bien sur les let's play en ce moment, donc je suis assez content qu'on s'avance bien sur les let's play. Merde. Même un type psy, ça peut éclater un type psy quand même. Hein. Retenez bien ça. C'est la logique du docteur Lemmy. Oui, on a connu le docteur Mario, docteur Lemmy, docteur Luigi. Niveau 50. Pouah. Mais en fait, Goupelin, je sais pas si c'est fait exprès. Mais c'est le Pokémon qui gagne le plus d'XP dans ce jeu. Hein. Peut-être que dans XY, il gagne aussi un max d'XP, mais quand même. Et merde. Bon, bah, Pikachu, tu serviras à quelque chose dans ce combat. Parce que ce truc, ce n'est même pas un Pokémon de type. De type. Psy, c'est un type eau de merde. Oh. Bon, en plus, Pikachu et ça. Pikachu! Voilà. Non. Oh, c'est moche niveau 95. Oh. Tu es mort. Purée, je ne me rappelle même plus qu'est-ce que je devais dire. Et puis voilà, je me suis fiché maintenant. Et en plus, je suis con et fu. Confus. Alors, Pikachu, touche-le. Espèce d'enfoiré. Va au diable! Enfoiré!
Loul. Ah, mais pourquoi c'est un type haut et lui un type électrique? Normalement, il doit l'éclater sa race. Merde. Et en plus, il se soigne, le gros cheater. Il y a intérêt qu'étincelle, ça fait un truc, hein. Bon, bah, au moins, ça le paralyse. Donc, on va pas dire que c'est dégueulasse, hein. Bon, j'espère directement qu'après ce dresseur, on fera directement le champion de cette arène. Comme ça, moi, on va pouvoir s'avancer et essayer. Je dis bien essayer d'aller à Tadoupolis pour essayer d'avoir The Pokémon Legendary. Qui est Kyogre, MDR. Donc oui, bien sûr, je suis au courant qu'il y a un épisode Delta juste après le jeu. Juste après le mode histoire, il y a les épisodes Delta. Ou genre t'as Rayquaza et tout. Sauf que vu que le let's play, à l'heure où je tourne la vidéo, le let's play, ça fait 8 mois qu'on l'a démarré. Donc je sais, il y en a qui vont être sûrement dégoûtés. Mais je ne ferai pas l'épisode Delta. Parce que voilà, ça va faire plus d'un an que ce let's play a commencé. Donc voilà, hein, moi, ça me foutra le seum après. Parce que quand même, si tu fais un an pour un let's play, et bah cette année-là. Salut madame. Et en plus, elle a vraiment rien dit, hein. La fille, on passe devant elle, mais dans sa tête, c'est. Bon bah les couilles, faut. Je veux aller au champion. Nye. Non, même. On est d'accord, elle m'a même pas vu. Non mais. Oh non, elle m'a même pas vu la meuf. Ah, ce qu'on pense. Je comprends pourquoi ils sont. De type psy là, hein. Ils se parlent pas de ce psy là. Lol. Non mais sérieux. Elle m'a même pas vu. C'est de la télépathie son truc à cette fille là. Cette fille là, MDR. J'ai les boules. Il est presque mort. C'est là s'il le soigne. Non, je préfère. Par contre, le champion, il va peut-être soigner ses Pokémon et ça me foutra les boules. Allez, on t'a tué. Non, franchement, là, je vous dis clairement, on est vraiment bien pour la ligue. Hein. Espèce de cheateuse, va. Cheateuse, arrête de cheater. Et c'est bon. On peut aller faire le champion de l'arène. Bon, par contre, je préfère vous dire bonjour. Bon, c'est bon, là, ça me saoule. Hein. Et donc, voilà, on se retrouve ici. Non, toi tu vas pas cheater. Ah mais on l'a déjà battu ou pas? Purée, là je me perds. Ah bah ouais, c'était même le premier mec qu'on avait battu. Hein. Ah, fallait sûrement peut-être faire ça. Ah bah oui, fallait faire ça. Oh mon Dieu. Non. Ouin. Vitesse supersonique. Salut les champions d'arène. Bon, en fait, je ne sais même pas si c'est des garçons ou des filles, mais je pense que c'est. Ouais, c'est des filles. Merci la perte de temps. Waouh! Oui, c'est donc un garçon et une fille. Hé, tu as une drôle de tête, hihi, si tu voyais ta tête. Bon, si vous êtes chiants là, vous parlez en même temps, vous me faites chier, vous deux. Nous n'avons pas besoin de parler entre nous. Les esprits sont liés. Ce que pense l'un, pense l'autre. L'autre le comprend. Ah, presque. Tu crois pouvoir briser notre duo parfait? Oui. Stylé, hein, quand même, leur truc. Oh, la musique.
Célé-Rock et Solarock. Ah oui, là, ça déconne pas. Bon, je suis juste dégoûté que j'ai pas soigné deux de mes Pokémon. Mais j'ai deux autres de mes Pokémon les plus forts. Waouh! Allez, toi, tu tapes Solarock. Toi, tu méga évolues et tu fais ça. Tu fais ça. Ah, ces deux-là. Allez! Bon, si avec ça on les éclate pas, je ne connais plus rien aux autres Pokémon. Hein. Enfin, on va pas les éclater du premier coup, mais c'est quand même une bonne strat. Purée. Yeah. Solarock, il prend cher quand même. Hein. Ah, en plus, il y a que ces deux-là comme Pokémon. Ah, le combat le plus facile du monde! Ah non, mais là, c'est le combat le plus facile dans les jeux Pokémon, quoi. Il y a juste ces deux Pokémon-là? Non, mais sérieux, vous deux, là, vous faites ça si vous êtes le premier champion d'arène? Je m'en fous, mais pas le septième, là. Attends. Ah non, là, ça me déçoit. Bon, bah, c'est bon, la septième arène. On a fini la septième arène. Quoi? Notre combinaison a échoué. En plus, il me donne 10 800 Pokédollars. Alors là, c'est propre. Tu as réussi à nous vaincre. Nous acceptons notre défaite. Donc, nous triompherons ceci. Il y avait un Poustille. Oh putain, elle est stylée, j'ai le badge. Qu'il est stylé. Waouh! Waouh! Oh, plongée. Plénitude. Blablabla. Allez, bisous, bonne année, bonne santé, allez vous faire enculer. Au revoir, monsieur. On se retrouve pour la prochaine fois à la 8e arène d'Athanopolis. Et puis, bah. Oula, je m'y attendais pas, je vous le jure. Cinématique. Je vous laisse avec le son. Ils ont réveillé Kyogre ou Crouton. Allez, je vous laisse avec ça. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une colonne de lumière. Merci, mes notifications. Il y a une colonne de lumière au milieu de la mer. Par ici, vers le journal 128. Oh, il y a Pierre. Salut. Génial, c'est du délire. C'est quoi ce machin? C'est la fin du monde. On va tous y passer. Calme-toi, mon Sticky. Tout va bien. Ski! On se pense, nous, on a abandonné notre Kitty. Ouah, Mazette, ça surprend. C'était quoi cette énorme lumière? Ça venait du fond de l'ombre. Ok, ils ont réveillé Kyogre, la team Aqua. C'est sûr. Ah, après, Pierre va peut-être nous donner maintenant la CS plongée. Lémi! Lévi et Tatia m'ont indiqué que tu étais passé à l'arène. Je voulais en profiter pour venir te voir, mais soudain j'ai découvert que je ne peux pas en parler ici. Allons chez moi. Cool, allons à la maison de Pierre. Ah, c'est là ta maison? Bon, vas-y, j'irai cambrioler un jour, hein, t'inquiète. Eh oui, c'est chez moi ici. Je sais, c'est vide. Ce n'est pas un endroit pour recevoir des gens, mais enfin. Venons en fait. Commençons par récapituler les événements qui se sont déroulés récemment autour de nous. Le grondement de la Terre et l'explosion assourdissante de tout à l'heure. Tous ces événements indiquent que le jeu caché au fond de l'eau a été brisé. Il y a fort longtemps, un Pokémon antique fut enfermé dans la caverne fond de mer, au fin fond du chenal 128. Il s'est endormi et l'entrée de la caverne fut scellée grâce au pouvoir d'un certain Pokémon pour empêcher quiconque humain ou comme Pokémon d'y pénétrer. Malheureusement, il semble que des personnes fort mal intentionnées soient parvenues à briser le sceau. De toute évidence, leur objectif est de libérer ce Pokémon ancestral afin de s'approprier son pouvoir. Lémi, si par malheur il parvenait à s'emparer de ce pouvoir, cela briserait l'équilibre du monde et mettrait en danger la vie de tous les êtres sur cette planète. Je suis prêt à faire mon possible pour empêcher que la situation ne dégénère jusqu'à là. Ceci dit, je n'y parviendrai pas seul. C'est pour cela que j'ai besoin de toi. Aide-moi à mettre un terme aux agissements de la team Aqua et de la team Magma. Si nos Pokémon et nous unissons nos forces, nous parviendrons à surmonter cette situation désespérée.
C'est le seul espoir qu'il nous reste. Tiens, je te confie ceci. Je vous l'avais dit, c'était sûr qu'on allait avoir plongé. C'est la 16 plongée. Bon, par contre, là, on s'en fout de ta vie. Yeah, le plongeur d'Evon. C'est bien. Allez. J'ai confiance en toi. Merci. Donc, en final, on aura le Pokémon légendaire maintenant. Mais vu que vous me connaissez bien, ou pas, ça dépend les nouveaux abonnés. Eh bien, on s'arrêtera bien sûr. On ira quand même devant la caverne franc de mer. Mais vu que je suis un roi des trolls, je vous la mettrai bien profond. Allez, Dragon. Oh, la musique. Ah non, mais les musiques de ce jeu. Ah, mais c'est trop cool. Yeah! Allez, on est sur le chenal 124. Toi, je t'ai esquivé. Toi, tu es quoi? Non. Oh, purée, j'ai peur. 126. Ok. Salut! On est où? On est où ici, monsieur, dame? Pouah, c'est beau! Merde, en fait, je me suis gouré d'endroit. Ah! En vrai, on est allé au mauvais endroit. Bon, toi, d'accord, vive les bugs. Le mec, je sais pas, il était sur quoi, mais il était debout dans l'eau, hein. On est où? Non mais... Sérieux. Alors nous sommes en chenal 127 et il faut aller en bas, MDR. Allez. Et bah c'était ici où ça s'est passé en plus. Et là si vous voyez juste ici, là, c'est la ligue Pokémon. Et merde, c'est vrai, je l'ai mis à aucun Pokémon. Oh purée. Oui. Allez, entrons. Entrons ici. Wouah, c'est stylé. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire ici, hein? C'est pas ici qu'il faut y aller? Est-ce qu'il m'aurait arnaqué? Ouais, c'est sûr, il m'a arnaqué le jeu. Ah bah oui, c'était d'ici que ça venait, mais il faut passer ici, oh là là. Allez, descendons et plongeons avec un croudon. Pourquoi j'allais dire croudon? Bon, bah, ok. Ah, fallait caverne fond de mer. Bon. La mer, elle est pas fond. Faut remonter, là? Purée, je connais rien du tout, là. Ah, oh, purée. Waouh. Ah oui, c'est ici qu'il faut y aller. Oh, des sbires de la team Aqua. Oh, mon Dieu. Oui, utilisez force pour forcer des trucs. Wouah, tous les sbires de la team Aqua qu'il y a. Je ne vais pas faire de bruit. Et... D'où m'a-t-il vu? Bon bah, allez, à tout de suite. Ok. Bon, allez. Ah là 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 là. Salut, y a quelqu'un ici? En vrai, faut peut-être aller ici ou pas, je ne sais pas. Hein. En vrai, t'imagines, faut même pas aller ici, mais j'y vais quand même. Allez, au calme. Ah!
Donc oui, en final, faut pas passer par ici. Donc oui, on est en train de galérer bien. Bon bah rip, hein. On va se prendre plein de Pokémon à la tête maintenant. Hein. Ça c'est propre. C'est ce que j'aime moi. Oh bah. Oh. Allez. Oh non! Non, je viens de trouver un truc. What? Putain, c'est un labyrinthe en fait le truc. What? Mais ça me vient de me remettre ici. Et merde. Bon, attends, on a quoi comme Pokémon pour voir si je l'ai. Oh purée, un Nosferatu. Oh, enfoiré. Tu me dégoûtes. En plus, on est niveau 51 avec Goupelin. Ok, donc en final, faut sûrement passer par ici. Bon, bah en tout cas, là, l'épisode est vraiment très très long. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa et puis moi, je vous dis à plus tout le monde.